Qu'est-ce que... Que vois-je? Bah... Hey Clémence, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On se retrouve à la campagne? Bah oui, c'est ma route, normalement. Mais non, me dis pas que t'habites par là. Non. Non, d'accord. Non, je suis venu essayer... Tu connais Tiguan PHEV? Il est beau en plus de cette couleur. Bah, j'ai un 3008 aujourd'hui. Ah, c'est pas mal, 3008, j'aime bien aussi. PHEV aussi, tu connais? Bah, j'aimerais bien que tu me présentes. Eh ben, je vais te présenter. Alors, moi, je te présente au Tiguan. Tu me présentes lui. Attends, il y a des gens. Fais coucou. 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 Alors, Clémence. Nico. Enchanté. Enchanté. Vous voulez qu'on vous parle un peu du 3008 PHEV et du Tiguan PHEV? Ouais, on s'est dit que il n'y avait pas assez de comparatifs sur Internet, alors on allait en faire aussi. Est-ce que ça vous intéresse? Puis il y a plein de trucs à dire. Attends, est-ce que ça vous intéresse? J'espère que vous répondez. Vont répondre. Tu penses qu'ils disent oui ou vous hochez la tête. Ouais. Clignez des yeux deux fois si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Donc, lui, ça l'intéresse. Voilà, on va se faire des nouveautés avec des comparatifs, tous les deux. Si ça vous plaît, mettez-le dans le commentaire. Pareil, alors un truc très important pour les gens, c'est vous allez nous noter en bas dans les commentaires ce que vous voulez comme comparatif. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Parce qu'on est super ouvert et on a envie d'avoir vos idées. Voilà, on va vous présenter ces deux voitures. On va essayer de faire un petit tour rapidement de l'extérieur, de l'intérieur. Ouais. On vous montre l'intérieur, on vous donne notre ressenti. On vous montre les tableaux de bord, les sièges arrière. Et ensuite, on va faire un petit tour. Et puis on dira tout, avec laquelle on repart. Ouais. Parce que moi, Peugeot 3008, ça me parle. Ouais. Le Tiguan aussi, on n'a pas les mêmes utilisations de la voiture, donc je pense que c'est pareil pour vous. Est-ce qu'on se fait un match genre comme à la télé et tout Genre on se bat? Elle était souple la vache. Oh là là, mon dieu. Regarde. Ok, j'ai peur. On vous parle des voitures, on vous parle rapidement des technologies, des moteurs, etc. On fait un petit tour, on montre aux gens un petit peu parce qu'elle est quand même belle. J'avoue, je préfère la couleur de la tienne. Ah, la couleur est dingue. Ouais. J'adore la couleur. Après, il y a deux signatures lumineuses différentes qui sont fortes, qui ont une identité forte. Carrément. Et je trouve que c'est difficile de départager parce que il y a... Avec les... Là, les crocs, c'est quand même agressif, c'est expressif. Et là, c'est très graphique, je disais. Tu vois, ça, à chaque fois, ça me fait penser au mec de l'âge de glace. je ne sais pas comment il s'appelle. Il veut manger Sid, là. Ouais, enfin, le truc avec les gros crocs. Tu sais qu'on me surnommait Sid? Ah ouais? Ouais, parce que j'étais tête en l'air. Ah. Ça me fait penser à ça. Donc, il y a eu un restylage comparé au modèle d'avant et ça reste quand même hyper vendu en France. Je pense que c'est un des best-sellers. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette belle chose bleue? Donc, PHEV. Ok. Donc, c'est-à-dire hybride rechargeable. Donc, le moteur essence, c'est un 4 cylindres. Okay. En puissance cumulée, j'ai 245 chevaux. Normal. Donc, c'est pas mal. Donc, 1,4 litre, 4 cylindres, okay. 150 chevaux pour le thermique, okay. 116 pour l'électrique. Donc, chez toi, on a quand même calandre. Les aides à la conduite intégrées dans Volkswagen. Oui, tout autour, il y en a un peu partout. C'est des voitures connectées. Conduite de niveau 2 pour les deux. Quoi d'autre? Et après, design. Tu es en finition R, toi, il me semble. Ouais, Airline. Ok, très joli. D'ailleurs, regarde. R. Un petit R. Si jamais tu oublies. Ah, d'accord. Donc, le côté un petit peu sportif et on peut le choisir. Alors, moi, j'ai un GT Pack. C'est pareil, GT, c'est ce qui amène un petit peu plus de... Bon, ok, nickel, l'avant. Bon, petite lame, tout ça, bouclier, sympa. Ouais, alors, la calandre, elle est moins agressive que sur le 3008. Ouais. Là, c'est plus consensuel, on va dire. Alors que je trouve que sur les flancs, on va voir un peu plus tard, elle a plus de personnalité et plus marquée. Mais l'avant est plutôt, à mon sens, un peu plus consensuel que le 3008. Ok, allons voir ce consensuel. Alors, 3008, bon, ça, c'était la nouvelle calandre qui est arrivée, donc qui vient vraiment plus large. L'écrou, ici, comme on disait, c'est vraiment ce qui définit ça. Les petites lamelles. Ouais, les petites lamelles un ça, petit peu qui viennent se fondre. C'est vrai que c'est sympa. Alors que toi, ça fait plus calandre de voiture. C'est plus classique. Plus classique, effectivement. Plus classique, chez Volkswagen, on reste toujours ce côté classique, comme sur la Golf et autres. Et on ne se trompe pas. Voilà. On se trompe pas, mais il y a moins d'audace. Exactement. C'est un peu comme les Japonaises, certaines Japonaises, tu vois. Ça reste, ils se disent, bon, voilà, on va faire ça, on sait ce qu'on a à faire. Ouais. Et on garde le classique. SUV, hein, comme on peut le voir, je pense qu'on est à peu près sur... quoique là, il paraît un petit peu plus haut ici au niveau du capot. Ouais. Alors que je trouve que dans l'aspect global, il fait plutôt plus musclé, c'est le Tiguan. Mais le capot est plus haut. Ouais. Effectivement. Bon, des lignes différentes. Après, quand même, c'est SUV avec un capot assez long. Toujours type SUV. Ça, c'est ce que les gens aiment bien en ce moment. Hein. Voilà. Bon, après, un avant simple. Pas d'entrée d'air ici. Plutôt typé sport là-bas.
mais assez simple. Et puis, tu as des petits bosselages sur les deux. Et ce qui renforce encore un peu le caractère de chacune des deux voitures. Si on devait choisir un pour l'avant, tu choisis lequel ? Je prends du recul. Reculons-nous. Non, en fait, j'hésite pas. T'hésites ? Je sais pas. En fait, j'aime bien les deux, mais je pense Tiguan. Moi, 3008. Ah. Un partout. Bah, Tiguan, en fait, moi, j'aime bien, tu vois, ce côté un petit peu sport et tout. Mais c'est vrai que le 3008 a de la gueule, quoi. Bah, le 3008, j'aime bien l'audace et l'originalité. Alors, l'audace, maintenant, on connaît hein, quand même, donc c'est pas un coup de poker. Mais j'aime bien parce qu'il y a une vraie, vraie personnalité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Okay. Là, c'est un peu plus classique, mais effectivement, j'aime bien là, les deux crochets. C'est joli, j'adore la signature lumineuse. Je trouve ça très joli, mais à choisir, je suis quand même plus 3008. Par contre, moi, il y a un seul truc qui m'excite sur le 3008, c'est la caméra au-dessus du lion, c'est le Night Vision. Qui me permet d'avoir la vision infrarouge de nuit. Et ça, bah. C'est vrai que tu m'en parles beaucoup, tu l'aimes bien celle-là. Moi, je l'aime bien. Ouais, tu l'aimes bien. Ouais, je comprends. T'as vu les transitions. C'est magique. Mais j'ai remarqué pendant que on était dans les airs que tu m'as pas parlé de ton moteur. 1,6 litre. D'ailleurs, il est disponible essence, diesel ou hybride. On a plusieurs hybrides. Mmh. 225 chevaux que j'ai aujourd'hui. Donc, pareil, une centrale électrique avec les batteries à l'arrière, comme toi. Donc dans le coffre, et 225 chevaux pour moi. Toi, 245, donc un petit peu plus de puissance. Oui. Au niveau du poids, pareil, moi je suis entre 1800 et 1900 kilos, toi à peu près pareil. 1811. D'accord, ah, d'accord. Tu joues dans la précision. Je suis carré moi. Ok, très bien. Ouais. Au niveau des tailles, tu te rappelles des tailles de ta voiture ou pas? C'est pas difficile, je les ai écrites. Attends, moi aussi je les ai écrites dans le coffre. Alors, on fait une battle? Allez, battle. Longueur? 4,45 m. Ah merde, je suis plus longue. 4,51 m. Ah oui, quand même, un petit ouais, peu. Ça... en ville, ça joue quand tu veux te garer. Effectivement. Largeur. 1,84 m. 1,84 m. Ah, égalité. Ex aequo. Et attention à la hauteur. 1,68 m. Ah, t'es plus haute. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a l'air plus musclée. Moi, je trouve qu'elle a un aspect plus robuste. 1,62 m. Alors, toi, à partir de combien il démarre, ce Tiguan? 38 735 € en thermique. J'ai gagné. En thermique, je commence à 32 600 €. Ah ouais, c'est une vraie différence. Quand même, ça joue. Ensuite, donc, moi, j'ai plusieurs versions d'hybride. Donc celui-ci, le 225 chevaux, commence à partir de 45 600 €. Alors le mien, il commence à 48 020 €. Un petit peu plus cher encore. Ouais. Encore ouais, une fois. C'est l'allemand. C'est de l'allemand. Et t'as un petit peu plus de chevaux. Ouais. Alors par contre, moi, j'ai une version 300 chevaux avec deux moteurs électriques plus le thermique. Donc, qui me donne tout ça en combiné 300 chevaux. Et en GT Pack, le haut de gamme est à 56 700 €. Ah oui, bah moi, toute option, c'est 56 175 €. Donc, alors que sans option, le Airline, il est à 51 495 €. Okay. Donc là, tu exploses. Effectivement. Mais moi, par contre, c'est 300 chevaux, ouais. Et full option, là. Pour 56 700 €. Ok, donc c'est difficilement comparable. Effectivement, j'ai un peu plus de puissance, ouais. Mais bon, là, on a quand même des voitures allemandes. C'est un petit peu plus premium, pareil, au niveau du ressenti. Il y a beaucoup d'options. Il y a des options. Là, bah, par exemple, le toit panoramique, il est à 1300 €. À peu près pareil. Ouais. Et puis, en fait, c'est le principe des catalogues allemands. Tu as quand même un prix de base. Et après, si tu veux te faire plaisir, tu peux rajouter quelques options. Hein. Beaucoup d'options, effectivement. Alors que là, c'est plus des packs chez Peugeot. On peut prendre quelques options, mais c'est surtout des packs. Bon, le côté, on commence par laquelle? Par galanterie, je te laisse commencer. D'accord, c'est surtout que c'est ta préférée. Bah, je suis pas sûre de profil. Ah ouais? Ouais. Fais voir les profils, attends, viens qu'on se mette à la place des gens. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Alors moi, j'ai une préférence nette au premier coup d'œil. Je trouve les deux belles, hein, c'est pas la question. Vous voyez bien. Le bon. Choix, difficile. Alors, je trouve, pour le coup, que le Tiguan est plus expressif, plus dynamique de profil. Il a cette longue ligne qui traverse toute toute la voiture. Et je trouve que bah, ça assoit la voiture, ça donne une impression presque de vitesse alors qu'elle est à l'arrêt. C'est vrai. Je trouve que c'est... Et puis, elle est un peu plus haute, donc elle a plus de muscles. C'est vrai. Et on voit un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est que tes suspensions ont l'air plus hautes et fait, on a plus d'espace entre l'arche de roue et la roue que sur le 3008. Nettement le 3008 plus, paraît un petit peu plus bas. Ouais. Effectivement. Après, moi, ce que j'aime beaucoup sur la tienne, c'est que la finition en bas, c'est
peint, alors que là, c'est plastique. Ah oui. Alors, les SUV, tu sais, les SUV, ils aiment bien mettre les arches de roue plastiques. Toi, tu l'as également. Ouais. Alors que là, c'est plastique et tout le long. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que toi, ça fait un petit peu plus haut de gamme aussi. Ouais, puis si tu as la barrette en chrome, ouais, c'est vrai. T'as les tours de fenêtres chromées. Enfin, il y a un peu de chrome qui donne un peu ce côté haut de gamme. Parce que là, moi, c'est quand même du caoutchouc. Ouais. C'est vrai. Mais alors, ça paraît peut-être un petit détail, mais j'aime bien la ligne noire qui longe, qui souligne le capot sur le côté. Je trouve que entre le phare et la vitre. J'aime bien. C'est vrai. Donc, c'est deux aspects différents. Celui-là, et cette fois-ci, c'est peut-être celui-là le plus consensuel, cette fois-ci, et l'autre qui est un peu plus clivant. Ouais. Et tes barres de toit sont un peu plus jolies aussi, je trouve, chromées. Ouais. Toi, tu te recharges ici à l'avant, devant le rétro, alors que sur celle-ci, c'est les deux trappes qui sont à l'arrière. Une à droite pour l'essence, une à gauche pour la batterie. Ok. Alors que toi, c'est à l'avant et l'autre, c'est à l'arrière. À l'arrière, ouais. Au moins, toi, tu es sûr de pas te tromper. Ouais. Là, elle est beaucoup plus haute, mais je pense qu'il y a le terrain qui joue. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sur une planéité totale. Là, on triche. Mais du coup, on a l'impression qu'il y a un espèce, presque un énorme raptor. Non, j'exagère. Ouais. Si tu te mets là, tu seras peut-être plus grande que moi. On fait la même taille. On verra ça à l'intérieur. Bon, l'arrière. Deux arrières assez différents. Ouais, rien à voir. Là, on a les IQ Light qui donnent des feux LED et surtout un truc différent. Là, on a les griffes, triple griffes trois fois. Pareil, ça, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper joli. On garde encore l'idée du lion. J'aime bien. Ça suit tout le long, voilà. Mais là, c'est très graphique et je trouve que le fait qu'il soit plus haut, on le sent vraiment. Ouais, c'est vrai. On a l'impression que c'est une caisse un peu plus costaud. Ouais. Et ça participe au feeling. C'est pareil, quand on a une voiture qui est plus grosse, on se sent plus en sécurité. Alors, des fois inconsciemment, parce que des fois les plus petites sont plus solides. Oui, c'est sûr. Et c'est juste, Le feeling. Sentiment. Ouais. Et c'est vrai que celle a un petit air de. Ouais. Tu vois, pas comme moi. Mais costaud, quoi. Ouais. Mais sympa sur l'arrière, pareil, toi, avec un diffuseur un peu sport, comme tu es sur une version sportive. Moi, j'ai l'arrière en plastique. Bon, et sur la mienne, il y a quand même des faux échappements ici, hein, qui sont juste en plastique, et l'échappement est caché bien plus bas, comme quasiment sur toutes les voitures. Ouais, toi aussi, c'est caché là, moi aussi, c'est caché en dessous. Ah, c'est pas mal vu d'ici. Hein. Ouais, on est bien, il fait bon. Hein. Bon, Nico, t'as pas envie qu'on regarde un peu les habitacles? Ok, on fait comment? Je regarde un peu le mien, je regarde un peu le tien, puis on en parle après. Bon, c'est parti. Ok, c'est parti. Ah bonjour. Ah, c'était pas mal. Ah non. Démence. Démence. Mais j'y comprends plus rien, moi, à ces voitures. Ouais, je comprends rien. Tout à l'heure, t'étais là, non? Mais toi, là? Mais t'es encore là? Ouais, non, ça marche pas. Bon, on se pose, on en parle? Oui, allez. Bienvenue. Bon, alors on est dans le Peugeot 3008. Exactement, version hybride, comme on disait. Mm-hmm. Donc, tu savais que dans la version hybride, il y avait un petit truc spécial ici? Un éclair. Un petit éclair de génie. Qui fait quoi? Qui te donne tes informations pour la batterie. Bon, en gros, tu peux avoir tes stats, tes flux. En gros, si c'est ton moteur qui tourne, si on recharge la batterie. Là, on peut voir que la batterie est pleine, quasiment pleine. Il me reste 42 km d'autonomie. Ah, pas mal. On est sur les mêmes... pas très loin. Ah, on verra tout à l'heure après dans la tienne. Je te montre la mienne d'abord. Le e-save, je peux recharger la batterie si je veux. Je peux garder soit 10, 20 km pour rouler en ville, parce que plus tard, tu sais que dans les ZFE, il faudra rouler en 100% électrique. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment important. Voilà. Mais ça consomme beaucoup plus, par contre. Quand tu recharges en roulant, c'est pas top. Il vaut mieux recharger à la maison. D'accord. Donc, on a notre prise, tu sais. Tu m'apprends quelque chose. Je savais pas que c'était plus énergivore de recharger en roulant que sur une prise. Beaucoup plus, parce que tu vas consommer beaucoup plus d'essence. Et actuellement, en plus, l'essence, c'est cher. Ah, ça par contre, j'avais remarqué. Et rare. Rare, c'est vrai. En ce moment, c'est très rare. Ouais. Je sais pas vous si vous galérez à trouver de l'essence, mais. C'est l'enfer. Ouais.
dans notre métier, c'est on pas facile. On va se mettre à la trottinette, en fait. Ouais, c'est bien, la trottinette. C'est bien. J'ai vu que toi, t'essayais beaucoup de trottinettes. Ouais. Ouais. Va falloir que tu m'y mettes, j'y connais rien. Ah ouais. Non, tu vas essayer des trottinettes. Je vais essayer des trottinettes. Et toi, tu prendras celle où patine. Ouais, bah bien sûr. Ah non, super la galanterie, hein. Voilà. Bon, on revient, revenons à nos voitures. Tu sais qu'on a des touches piano. Bon, ça, on connaît. On peut jouer du piano. Alors, j'aurais adoré qu'il y ait des touches musicales, tu sais. Ça aurait pas été ouf. Il y a que toi pour aimer ça. Nous, on aime les voitures silencieuses, le commun des mortels. Ah, alors moi. On connaît hein, ça chez Peugeot, c'est ce petit volant et on regarde au-dessus. Avec le méplat. Avec le méplat et double méplat. Double méplat, oui. C'est des déplats. C'est des... Faut un peu s'adapter, non? Parce que moi, j'ai mis du temps à trouver ma position. Ouais. Je voyais pas le tableau de bord au départ. Et là, maintenant, une fois que t'as compris... Je te la prête après, si t'es sage. Ah, bah, je suis très sage, toujours. Bon. Toujours. Mais tu vois, moi, par exemple, dans une 208, j'ai jamais trouvé ma position. Je n'y arrivais pas. Alors que 3008, j'arrive, je me pose et comme je trouve que c'est plus spacieux, je baisse un peu le volant et ça va. Alors qu'une 208, je trouve que ce compteur est jamais bien positionné. Alors que là, ça va. Ouais, t'as raison, t'as peut-être raison. Voilà. Mais cela dit, t'as le volant relativement bas quand même. Oui. Donc c'est quand même un coup de main à prendre, mais après, je trouve que c'est assez clair le tableau de bord. C'est vrai, on voit bien, on a une bonne lisibilité. Alors après. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué, tu peux changer de menu ici. Alors ce que je reproche toujours un petit peu, c'est quand tu changes. Alors vous voyez l'animation, ça met quand même pas mal de temps. Ouais. Alors dans tous les cas, on aura quand même la vitesse qui est affichée tout le temps du changement. On la voit là. Ouais. Donc on sait quand même à combien on roule. Mais c'est un petit peu lent, je trouve. Par contre, moi, j'ai un truc super cool. Alors là, il fait pas nuit, mais j'ai la vision de nuit. Ah, ça, c'est pas mal. Et j'ai le truc infrarouge ici. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'est cool. Moi, ça m'a déjà sauvé, la vision de nuit. Ouais. Et ça marche bien sur les animaux et tout, en plus. Alors moi, c'était sur un être humain. Non mais au Maroc de nuit en plein désert, enfin j'arrivais dans un village et donc tu t'attends à être seul au monde et ben en fait à l'approche du village t'es plus du tout seul au monde et il fait nuit noire. Et ben j'arrivais doucement heureusement mais la night vision était quand même assez salvatrice. Et ça marche très très bien. Ouais, moi, ça marche très bien. Et ça détecte les gens mais de très loin et ça vous met des petits carrés jaunes. J'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Vous êtes déjà un peu plus de 150 000 à avoir regardé. N'hésitez pas à retourner hein. Mais ça détourne bien et ça marche même avec les animaux, les gros animaux. Et je crois que des fois, les gros chiens, il les prend pour des biches. Bon, ben au moins, voilà. On l'évite, biche ou chien. Exactement. Mais sinon, après, voilà, on la connaît, la 3008. Donc, on regarde au-dessus du volant, le petit volant qu'on positionne assez bas. En fait, il faut avoir pris ça en conscience, prendre conscience de ça. Prendre conscience de ça. Parce que si on le met haut, je vois plus le bas de l'écran. Et moi, j'ai plutôt l'habitude de conduire haut avec les grands volants. Moi aussi. Mais là, en fait, il faut juste comprendre qu'il faut le mettre bas. Et on conduit... Et c'est plutôt moins fatigant, en fait, quand tu réfléchis. Plutôt que de conduire comme ça, c'est moins fatigant pour les bras. Parce que tu es reposé des deux côtés et tu es moins haut. Et en vrai... C'est juste une habitude à prendre, mais c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Et puis, tu as toute la colonne centrale plutôt tournée vers toi. Hein. Bah oui, c'est ma voiture. Ouais, l'écran du GPS, infodivertissement, légèrement vers toi. Exactement. Je te laisse une petite aération qui peut t'envoyer du vent. C'est gentil, j'en ai une autre, là, je vais totalement oublier. Moi, j'ai pas mal de place quand même. Moi, ça va. Les sièges... Alors, ça, c'est les sièges un petit peu haut de gamme en cuir, donc avec le dessin qui est plutôt joli. Alors DS fait un peu brasser de montre, là je pense qu'ils ont voulu s'inspirer un petit peu, mais c'est un petit peu plus... Alors j'ai aucune idée de... Ça ressemble pas un peu au vaisseau spatial de Star Wars? On n'a pas les mêmes références. Ah non. Le H d'Hermès? Oh, ouais, peut-être. si t'as une Peugeot Hermès, franchement, la classe. Non, mais en revanche, je sais pas si je trouve ça hyper confortable. On sent un petit peu le dessin. Alors la voiture a 600 km, donc elle est 9-9-9. Ça va se faire. Mais on sent un petit peu... Et il y a certaines versions où on peut avoir même les massages. Mais c'est possible. Le premier 3000 que j'avais essayé, il y a un massage que j'adore, ça s'appelle patte de chat. J'ai l'impression qu'il y a un petit chat qui marche dans le dos comme ça, moi je suis alors. Ouais, moi j'avoue, je m'en sers pas très souvent. Okay. Mais peut-être qu'il faut que je m'y mette. Siège chauffant. Ah, ça j'adore. Ouais. Siège chauffant. Ça c'est canon. Et alors le must du must, mais il n'y a pas, c'est le siège ventilé. Ouais. Ça c'est cool. Ça va bien finir par arriver. Pour l'été, c'est top. Ouais. Mais sinon, voilà, l'habitacle c'est quand même spacieux. Il y a pas mal de rangements. Moi, tu sais ce qui est hyper important dans une voiture et s'il n'y a pas, c'est rédhibitoire. Tu rentres toujours avec tes clés, ton téléphone, des trucs dans les mains. Il faut qu'il y ait tout de suite un endroit où je peux poser. Un truc. Sinon, pour moi, la voiture est mal foutue. Toi, t'es du genre comme ça, genre. Voilà. Bon, bah, gagné. La voiture est bien faite. T'achètes ? J'achète. Allez, et moi, il y a un truc. Tu vois, il m'en faut pas que beaucoup. Un truc qui me rend. Qui m'éclate, c'est regarde la taille du truc. Là, ça c'est dingue. Est-ce que c'est réfrigéré? Attends. Est-ce
Est-ce que je sens un petit peu? Non, c'est pas réfrigéré. Mais t'as, mais t'as une place de dingue. Ouais, ça c'est clair. Non, ça c'est super. Et en fait, ça, parce que c'est quand même une familiale, c'est un vrai plus. Après, le niveau définition, je trouve que c'est... Enfin, tu vois, là, les panneaux de porte... Attends, j'adore parce que c'est doux. Mais oui, c'est tout doux. C'est tout doux. C'est tout doux, je trouve que la couleur est jolie. Bon, c'est sobre, mais je trouve ça sympa, les petites surpiqûres et tout ça. Ouais. Je trouve l'ambiance sympa. Ouais, carrément. Et donc, et alors, en revanche, là où je suis moins gâtée que toi, c'est manuel, mon réglage de siège. T'es jalouse ? On n'est pas logé à la même enseigne. Excuse-moi. Tu sais que moi, sur le Tiguan, il n'y a pas de différence. Hein. Ah. On fait attention aux passagers aussi. Ah. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour toi. Je pense que tu vas être un peu près du volant. Je pense que c'est pas ta position. Au cas où on est deux, on peut mémoriser sur deux positions. On peut se le prêter. Ouais, et bah du coup, moi, l'avantage, c'est qu'il y a plein de personnes, mais c'est manuel. Hein. Ouais, mais comme ça, ça te fait faire du sport. On n'a pas parlé de ça, moi j'adore. Non. Ouais, moi aussi j'adore. C'est très grand, c'est très vitré. Et c'est ouvrant. Non, mais ça, c'est super. Mal. On va pas vous le faire parce qu'il y a la caméra qui est là, sinon on arrache la caméra. Mais. Non, mais du coup, tu peux bronzer en conduisant. Oui, un petit peu, mais c'est surtout les gens à l'arrière qui en profitent. Ouais, c'est pas faux. Parce que nous ici, on a un petit peu de ce côté-là, et c'est vrai qu'on a toujours cette grande partie qui nous cache du soleil. Alors souvent, on achète le tout-ouvrant, c'est le mec qui conduit souvent qui est propriétaire de la voiture. Ouais. Mais et c'est surtout les autres qui en profitent, quoi. Ouais, c'est un geste altruiste. Ouais. Voilà. C'est ça. Je trouvais, Citroën à l'époque, ils avaient fait le C4 avec le truc. Ah, ça, c'était ici. Vachement bien. Et ça, je trouvais ça cool. Ouais, ouais. Derrière, il y a. Tu t'en fiches. Attends, viens, je t'invite. Tu m'invites. Bon alors, bienvenue à l'arrière. Bon, le premier truc que moi je remarque, toi tu t'en fiches, mais c'est ça là, rien. Les petites ISOFIX, il y en a deux, oui. C'est pas mal. C'est pour les enfants. Ouais, et t'as quand même une troisième place, donc tu peux avoir trois enfants, dont un pas trop petit qui a pas besoin de oui. Siège auto, mais c'est pas mal parce que comme le coffre est un beau volume, je trouve que c'est pas mal. Et puis attends, là tu peux. Il y a trois lumières. Regarde. C'est beau. Tu peux même te transformer en Uber, tu mets des petits bonbons. Ouais. Ils le font plus trop ça, les Uber, je suis pas très content d'ailleurs. Parce ouais, c'est vrai, on est négligé ouais. Maintenant. Franchement, je trouve ouais. Ça un petit peu honteux. C'est abusé. Et ce que j'adore, c'est ça. Ah, tu peux voir ton chien que t'as laissé dans le coffre. Ah non, un pied, ah, non. Pardon. J'aime bien prendre mon pied avec toi. Mais non, c'est pas mal. Alors, on a un petit peu de place. Ici, on a une clim, deux ports USB. Pas des types C, encore les types A. Et ça va. Moi, je fais 1m80. Alors, par contre, si je me mets vraiment droit, je vais un petit peu coucher là-haut. Bah du coup, moi je fais 1m74, donc je touche pas. Ça va, ouais. Non, bah, moi je suis bien. L'espace au coude est pas mal. Oui, on est j'ai bien. Des petits rangements. Donc, les filets, bah c'est... Les filets. Ouais, franchement, moi, les sièges sont bien filés les derrière. Les sièges sont un peu creusés, donc t'as de la place aux jambes. Ouais. Bah je suis pas trop mal. Par contre, moi j'ai mis le siège tout en bas et j'ai des grands pieds et j'ai pas trop de place sous le siège. Alors ça, j'aurais bien aimé que ce soit monté sur des rails un petit peu plus haut, un petit peu creusé. Ça c'est marrant, j'ai jamais fait le test des pieds. Ouais. C'est parce que t'as des pieds grands. Oui. Des grands pieds. Excusez-moi. Et par contre, il y a un truc cool. Si on veut copiner. Alors, on a un plancher plat ici. Mais par contre, avec les grands pieds, c'est pas pratique. Mais bon, ça va. On va voir. Je crois qu'il y a un petit peu plus de place dans ta voiture. Je pense que là, on commence à être un peu serré. Je pense que la place du milieu, c'est mieux pour un enfant. Oui. C'est mieux. Parce que sinon. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais je trouve que tu prends beaucoup de place. Ça va sinon le... Je te trouve vraiment encombrant en fait. Excuse-moi, encombrant carrément. Bon, on est pas mal. On va voir le coffre, voir à quoi ça ressemble. Ouais. Allez. Ouvre-toi. Bravo. Tadam. Waouh. Alors le bordel de Nico. Ouais, excusez-moi. Bon, alors on a quand moi, même ça serait plus beaucoup de valises, un lit parapluie, une poussette, mais tout ça, ça rentre. Ok. Et après, donc là, on a un petit il double combien, fond. Il fait combien ton coffre? Il le fait, attendez, c'est marqué 691 litres, mais pas dans cette version. Celle-ci, un petit peu moins, parce que ah bah, en dessous, on a les batteries et un petit c'est câble de recharge. C'est le jeu de l'hybride. Voilà, parce que là, on est une version hybride rechargeable. Ouais. En plus, rechargeable. Rechargeable. Ouais. Rechargeable. Moi, je suis plus hybride rechargeable que full hybride. J'aime bien, mais ça a des inconvénients, mais ça a des plus aussi. Ouais, mais au moins, tu peux vraiment rouler en électrique, alors que le full hybride... tu peux aller à 30 km/h sur 10 km. Là, on peut rouler à 135 exactement. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais j'adore, toi, ton truc. T'es comme dans les avions de chasse, le truc qui se relève. Ah, mais tu vas voir, c'est plutôt assez moderne. Je suis jaloux. Alors, c'est sobre. Hein. C'est plus sobre, effectivement. Dans le design, c'est un peu moins glamour. Ouais.
Mais c'est plutôt bien fini, même s'il y a quelques petits plastiques là. Ouais. Mais je trouve que c'est assez joli, là, le petit effet carbone, j'aime bien. Petite carbonade. Voilà. Mais évidemment, il n'y a pas grand-chose en information, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que tu te perds pas dans les boutons. Effectivement. Alors, là, par contre, tout est tactile chez toi. Ouais, alors moi, je suis full tactile. J'arrive pas. Est-ce que je peux aller me coucher avant de... Non, mais on va le laisser. On va le laisser. C'est full tactile. 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 Là, tu vois, j'ai mon CarPlay. Ouais. Sans fil en plus. Sans fil. C'est beau. Sans fil, ça c'est génial. Avec le chargeur à induction. Moi, je l'ai pas là-bas. Ça, c'est génial aussi. J'ai le chargeur à induction, mais j'ai pas le sans fil là-bas. Ah ouais. Et ça, c'est quand même assez cool. Honnêtement, ça, c'est assez cool. Donc, tu vois, pareil, le menu, c'est sans fioritures, mais au moins, c'est clair. Moi, j'aime bien, tu vois, c'est fluide. C'est très fluide. C'est très fluide. Et la qualité de l'écran est bien mieux que là-bas. Ouais. Moi, j'aime quand c'est contrasté et que c'est beau. C'est vrai que là, même au toucher, etc., c'est plus cool. Ouais, je suis d'accord. Puis t'as le petit bruit qui a l'air de rien, mais en fait, quand tu conduis, tu sais que tu l'as eu ton truc. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas de bruit sur mes petites touches piano. Mais... je suis un peu. Faut savoir ce que tu veux, Clément. Veux jouer au piano. Là, écoute, c'est vraiment. Attends. C'est vraiment très léger. Ok, c'est pas du piano. Bon, après, il y a un peu moins de rangement. Alors, si, dans les portes, il y a. Mais tu vois, c'est plus petit. Je mets une main ici. Tu mets une main, là-bas tu mettais ton bras. Une coudée. Une coudée. Bon, t'as de la place pour ranger. On peut jeter les clés. On peut jeter les clés, on peut jeter téléphone. Enfin voilà, donc je peux pas dire qu'il n'y ait pas de place, mais il y a un peu moins de rangement. T'as la boîte à gants réfrigérée, toi. Oui, ça c'est important parce que je peux mettre une bouteille d'eau quand il fait chaud. Enfin, tu vois. Pas mal. Il y a quand même des petits trucs importants. J'ai le volant chauffant. Oh la classe! Mais oui, bien sûr! Donc évidemment, qui dit volant chauffant, j'ai aussi les sièges chauffants. Qui sont un plus lorsque vous roulez en 100% électrique pour consommer moins d'énergie, parce que si vous mettez le chauffage, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Comme chez toi, il y a les réglages des sièges électriques, sauf que toi aussi, tu en profites. Je suis content. Alors que dans le 3008, non. Après, comme chez toi, il y a les modes de conduite. Et je peux être très très grand d'ailleurs. Ah ouais, tu peux être... Ouais, alors moi, j'aime pas quand c'est... Ouais, on est trop loin. Il faut que je touche mes pieds. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Donc, trop, c'est trop. Ouais. Oui, t'as les modes de conduite. Moi, j'avais aussi, on n'a pas montré, mais il y a plusieurs modes. Voilà, et surtout, là, il y a le e-mode. Donc, c'est ce que tu montrais tout à l'heure, qui permet soit d'être en full électrique, soit en hybride pour maintenir le niveau de charge de batterie. Donc voilà, conserver la charge de batterie. Ou alors, pour augmenter. Ok, donc là tu peux recharger, tu lui dis 100%, comme moi j'avais le save. Exactement. Toi t'as dans le mode hybride, tu peux choisir de recharger également. T'as le toit ouvrant aussi, le grand toit panoramique. Ouais. Alors franchement, au moins ils sont kiff, je pense. Les toits ouvrants, peut-être un petit poil plus grand sur l'ouverture. Ouais. Celui-là ouvre plus, c'est le même niveau de taille de toit panoramique, mais en revanche l'ouverture, je pense qu'elle est plus importante. C'est possible. Et les sièges sont un peu moins travaillés. Ouais. Mais par contre, c'est la version airline, c'est la version sportive. Ouais. Mais on a le petit R qui est assez mignon, mais voilà. Après, niveau maintien, je pense que c'est kiff. Ouais, là, c'est un bon maintien dans les deux versions. Franchement, c'est pas mal. Après, Peugeot, ils font quand même des sièges qui maintiennent bien. Et les versions tissu, ils accrochent aussi pas mal. Les versions cuir, des fois, on se balade un peu plus. Ouais. Mais là-bas, ça allait. Franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. T'as deux USB-C, toi, par contre. Ouais. Plus récent, un petit peu plus moderne. Alors, effectivement, le 3008, il commence à se faire un petit peu vieux. Ouais. Peut-être. On attend peut-être quelque chose. 2023. Ouais, il y a des chances, mais on n'a rien dit. Bah, je sais pas, mais je suppose. Mais c'est vrai, franchement, on est bien dans les deux, je trouve. C'est vrai que l'autre, il y a quelques petites touches un petit peu plus claires. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Celui-ci fait vraiment un petit peu côté allemand. C'est simple et efficace. On a le minimum, mais on a tout en même temps. Moi, dans l'ambiance, je préfère le 3008. Très clairement, mais après je pense que dans la navigation, celui-là est pas mal. C'est plus intuitif ici, je pense. Voilà, je pense. Ouais. Après, dans les deux cas, c'est quand même une histoire de coup de main. Une fois que c'est ta voiture, t'as plus besoin de regarder, tu sais comment ça fonctionne et tout. Donc et puis là, pareil, les infos conducteurs, elles sont hyper claires parce qu'il y a des moments où chez certains constructeurs, t'as un peu du mal à trouver rien que ta jauge essence. C'est vrai. Là c'est clair, pareil tu peux changer. Alors par contre moi il y a un truc que j'aime pas sur ton volant, c'est que c'est tactile ici. Ah oui. Et ça, c'est... par exemple le son là, il faut glisser comme ça. Et
Alors, je suis pas hyper fan. Alors moi, attention, je suis. Il y a les droits d'auteur. Oui. Alors, ok. Mais alors moi, je suis. Moi, je suis peut-être trop brutale. Je fais pas comme ça. J'appuie. Ah, t'appuies direct. Ouais, j'appuie. Okay. Mais du coup, je suis d'accord. C'est pas forcément la sensation. Ouais. Le vrai bouton. Toi, tu le fais glisser. Bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien caresser. Ah oui. Non, je dois être trop brutale. Donc, et la clim aussi. Enfin, la clim encore, on peut appuyer comme ça. Ouais. Alors c'est vrai. Et alors, ça, c'est clair certains... au moins. Ouais. Pareil, là ça va. Bon, viens, on retourne à l'arrière. On va attends, voir ce juste, que ça je t'ai pas montré ça. Oui. T'aimes GTE. Bien ça. C'est quoi GTE? C'est sport. Waouh, GTE boosté électrique. On tu va... fais combien de chevaux toi? 245. Ah ouais, en c'est cumulé. Plus que moi. Ah, moi, je fais que 225. Ah oui. Bon, bah, je vais te fumer. Je suis désolé, je te regarderai dans le rétro, je te ferai coucou. On va voir ça tout à l'heure, on va se trouver une petite route, on va fermer la route, on va se faire un petit 0 à 100. On va voir qui sera devant. Ouh, il est chaud mon volant, j'ai... Allez, viens. On passe à l'arrière. Attends, regarde tes petits éclairages là. Ah mais oui, j'ai oublié de t'en parler. Et ça, de nuit, c'est vraiment super joli. Moi j'en ai, et ça éclaire l'Alcantara, et j'en ai autour du compteur. Toi, t'as pas autour du compteur. Non. Toi, t'as que sur les côtés. Ça va, pas la peine de me narguer. Bah, excuse-moi. Bon, à l'arrière ici. Ah, il y a de nouveau notre accoudoir rubber. Mais par contre, t'as pas la trappe à ski. On peut pas tout avoir. Bah ouais. Par contre, alors, moi je trouve que la moquette est déjà beaucoup plus basse ici. Et bah, t'as une meilleure visibilité à l'arrière que sur le 3008. Là, carrément. Et parce là, on peut mettre plein de choses. On peut mettre plein de choses et puis du coup, tu vois mieux à l'arrière. Parce c'est que vrai. Toi, c'est un tout petit peu petit. C'est vrai. Là, donc pareil, on a de la place. On a vraiment de la place. Alors. On mesure pas exactement la différence. Non mais en ressenti en tout cas au coude. Ouais. Au coude, mais surtout même à l'avant et l'espace, la banquette, j'ai l'impression qu'elle est plus haute et qu'il y a plus de place pour les pieds. Et tu vois, là par exemple, je peux bien passer mes pieds en dessous des sièges. Ce test me fait trop rire. Ça, tu sais que ça s'appelle la cave à pied, cet endroit. C'est comme la cave pour les bouteilles de vin. Je pense que Nico est le seul à tester ça. C'est parce qu'il a des péniches à la place des pieds. Voilà, vous connaissez la chaîne. On pousse les détails jusqu'à l'extrême. Bon, en revanche. Ouais, tunnel central. Ouais. Dommage. Mais bon, comme on met un petit enfant de petite taille. Oui. Du coup, il a pas pied. Fais voir si t'as pied, toi. Oh. Ah, mais toi, avec tes petits pieds, ça passe. Moi, ça passe, c'est pile ma taille. Je pense que ça fait du 38. Et demi, peut-être. Il te reste un petit peu. Ouais, il me reste un petit peu. 38 et demi, max. Ouais, max. Mais voilà, un port USB-C. Effectivement. T'as la clim quand même. La ici. Clim. Deux sièges chauffants à l'arrière. Ah, mais oui. Eh. Sur. Trois positions en plus, c'est beau. Donc là vraiment il n'y a pas besoin de chauffer. Hein. Voilà, là vous êtes content. Alors moi ce que j'adore, alors attendez, bougez pas, regardez, je vous le montre comme ça. Moi c'est le petit soutien-gorge ici qu'ils mettent. Le soutien-gorge, il me tue ce mec. Moi j'adore. C'est... Alors moi je vois pas du tout un soutien-gorge. Ça me fait penser à deux bonnets en fait, là sur mes côtés. C'est pas possible. Et j'aime bien ça. Par contre, au moins on peut mettre son smartphone. Attention, smartphone. Tadam. Voilà, et en fait ça peut me permettre de laisser ou mettre des petits trucs. Et j'ai quand même la poche un petit peu plus bas. Et regardez pour les pieds, moi je suis trop content. Tu peux mettre un biberon là. Hein, un biberon c'est aussi. Ça. Non, le biberon je suis pas sûr, regarde, ça s'ouvre pas assez. Un biberon d'eau, tu sais, le petit biberon. Petit. Je ne pourrais pas. Et t'as quand même des LED à l'arrière toi. Par contre, dans le 3008, pas de LED à l'arrière. Ouais, t'as toujours un peu de rangement. Ouais, franchement c'est pas trop mal. Et on est plutôt confortable. Alors bon, il n'y a pas un maintien à l'arrière, il n'y a jamais des maintiens de ouf. Petit truc que je trouve. Attendez, ça fait bizarre quand je mets mon bras comme ça. Un truc que je sais pas si t'as ressenti, dans le 3008, on est plus droit. Ah oui, t'as raison. Et là, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être quand même un peu plus confortable. Exactement. Mais t'as raison, tu mets le doigt dessus. Et ça, je mets le doigt dessus. C'est quand même assez bien. Alors il y a des véhicules où on peut régler la banquette arrière. Elle s'avance. Elle coulisse. Ça, c'est, elle coulisse. Vas-y, fais coulisser au max. Je vais avoir les genoux dans le menton. Hein. Voilà. Attends, bon, alors. Je pense que je peux aller plus loin. C'est de la gymnastique. Alors, elle a l'air de coulisser d'environ 14 cm. Attends, mais t'as un décimètre dans la tête. Non, elle coulisse pas mal. Alors par contre, oui, ça c'est pas mal, parce que ça veut dire que t'imagines la surface... La surface habitable dans le corps. Le volume de chargement, je n'habite pas encore dans mon coffre. Ça ne saurait tarder, mais... Parce qu'en ce moment, je suis souvent dans les coffres. Ah oui, oui en t'aimes ce moment, bien ouais, bah, ça te plaît bah, on t'emmènera comme ça aux prochaines vacances. C'est assez exigu, mais... Effectivement. Mais alors ça, par contre, c'est un vrai plus. Ouais, ça, c'est vrai. Pas mal, ça augmente la capacité. Et franchement, ils sont confortables. Et le fait qu'ils soient inclinés, moi, je me sens vraiment mieux ici à l'arrière, en tout cas. Si je vous transportez du monde. Moi aussi. Tiguan. Alors, bonjour par ici. T'es bien, alors? Je suis pas mal.
Alors, je sens qu'il n'y a pas un plancher totalement plat, je suis un petit peu incliné, mais j'ai pu ouvrir de là-bas. Dans ton coffre, je peux aussi tirer directement d'ici pour rabaisser le plancher. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. C'est pas mal. On a le câble ici. Tu as l'air d'avoir envie de faire une sieste. Ouais, franchement, c'est pas mal. On peut noter ici une prise allume-cigare, de quoi ouvrir, petite lumière et... Je te trouve pas très souple. Tu peux soulever ça pour montrer aux gens? Et rien. Ah d'accord. T'as combien de volume ici? Alors, la version thermique à 615 kg. 615 kilos. Le coffre de la version thermique, ouais. Elle contient 615 litres. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus que moi là-bas. Ouais. Un petit peu plus. Sauf que, comme on le sait, c'est une hybride rechargeable et donc on passe à 476 litres. C'est vrai qu'on perd donc quand même pas mal. Donc on perd quand même pas mal. En fait, là, on pourrait enlever tout ça, mais là, c'est les batteries. Ah ouais, il faut se transporter. Tu vas pas m'enlever les batteries? Non, ce serait dommage. Merci, c'est ce serait plus une hybride sinon. Et on peut pas les enlever de toute façon. Et de toute façon, non. On n'y a pas accès, vous verrez rien. Bah, moi, je retourne chez moi. Hein. Allez, va faire ta sieste. Sympa ce camping-car. Attention à tes pieds. Excusez-moi, Edito. Les sièges, ils se règlent en inclinaison. 5 positions. Ouais, on a dit des bêtises, on n'a pas tiré la petite languette. Bon, j'ai pris le volant parce que, en fait, j'ai pas confiance. Les hommes au volant, c'est l'angoisse. Je te jure. Hey, ma ceinture! T'as l'angoisse. Tu vois, il pense même pas à mettre sa ceinture. Alors, par contre, un truc, je pense, qui est mieux sur cette voiture que la tienne, c'est le rayon de braquage. Alors, je vais te dire, bah, je vais le tester. Hein. Je pense que là... Bon, la caméra de recul, c'est pas mal, avec vision 360. Alors, c'est une fausse 360. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, une fausse 360? C'est une fausse 360. C'est en fait, quand vous arrêtez ici, par exemple, là, mais parking, hop. Ouais, bah oui, ta voiture, c'est une idée. Mais... Pied sur le frein, regarde, hop, marche arrière. Ah non, là, il a enregistré les mesures de tout à l'heure. Non, attends. Mais je crois que mes phares sont allumés. Ah, c'est dommage, hein. Je m'en vais, je quitte Nico. Ah voilà. Voilà, j'en ai marre. Ah voilà, ça commence bien. On a failli pas faire d'essai du Tiguan, il se serait arrêté là. Voilà, c'est de la faute de Nico. Donc je disais, c'est une fausse 360 en fait. Non, il n'y a pas de caméra sur les côtés. C'est une caméra devant, une caméra derrière. Et donc, par exemple, bah, on le fera un petit peu plus loin parce que là, elle a mémorisé un petit peu tout. Et tu pars en électrique en plus. Regardez, c'est silencieux. Ça, c'est pas mal quand ça fait pas de bruit. C'est vrai que c'est vraiment très cool. Donc, pour les trajets du quotidien. Ouais, quand on démarre, la voiture, elle se dit, on va d'abord privilégier la batterie, ce que vous avez rechargé. Et c'est vrai que... C'est agréable. Elle monte jusqu'à combien, tu m'as dit? 135 km/h. 135, c'est pas mal. Donc ça, c'est pas mal. Et dès que tu démarres, elle privilégie l'électrique. Quand tu es en ville, à basse vitesse, elle va continuer à privilégier l'électrique. Exactement. Et quand il n'y a plus de batterie, ça devient une hybride simple. Comme une hybride sans grosse batterie. En vrai, là, tu vois, on prend des bouches d'égout et autres. La suspension est plutôt confort. Ouais, elle est moins, elle est moins raide, je pense, que sur le Tiguan. Enfin, Tiguan, c'est pas que ce soit raide, mais c'est un peu plus ferme. Ouais, c'est la fermeté allemande. Voilà. C'est comment l'expliquer? C'est confort mais ferme. J'ai toujours du mal à expliquer. C'est très spécial. C'est quand même confort. Ouais. Mais il y a rien à faire. C'est quand même un peu ferme. Tu peux prendre à gauche. Ok. Je connais pas très bien ma gauche et ma droite. C'est par là la gauche. Et en vrai, moi j'aime bien le 3008 et je le trouve assez dynamique. Tu vois, même quand on met des gauches-droites ou quoi que ce soit, je trouve que le châssis, c'est dynamique. Ça reste un des meilleurs, je pense, niveau dynamique. Parce que, alors je sais pas si toi t'as ce ressenti, mais moi je trouve que les Peugeot, il y a toujours un ressenti où les voitures ont l'air assez légères. Je suis d'accord. Et puis la direction est précise, ça contribue à ça. Carrément. C'est. Une Peugeot, c'est plutôt dynamique dans le ressenti et effectivement je vois ce que tu veux dire, je l'avais jamais dit comme ça, mais effectivement il y a un côté léger. Ouais, on a l'impression d'une légèreté, même si la voiture, celle-ci, elle fait entre 1800 et 1900 kg avec les batteries, ce qui n'est pas tout léger. Hein. Non, carrément pas. Quasiment parce que c'est quand même assez étonnant de vouloir avoir des voitures de plus en plus écolo en rajoutant du poids, parce que c'est quand même ça ce qui se passe aujourd'hui. J'ai entendu. Mais c'est vrai, voilà. On a des voitures de plus en plus lourdes et l'écologie, normalement, c'est de consommer le moins possible. Mais 2 tonnes, ça reste 2 tonnes qu'on produit pour une voiture. Alors, toutes les hybrides rechargeables sont comme ça. Je sais pas ce que vous préférez, dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que plutôt hybride simple, hybride rechargeable, 100% électrique, diesel ou 100% essence? Moi, j'ai dit, moi je suis team hybride rechargeable. Team hybride rechargeable.
Moi, je suis team hybride simple. Donc, enfin, pour le quotidien, parce que moi, j'ai pas de quoi recharger chez moi. Donc, ce serait une contrainte. Par contre, effectivement, si j'avais une maison, je pense que je serais même team full électrique. Ah ouais, ouais. Ah, ça veut dire que tu dois avoir deux voitures parce que c'est pas encore si simple de faire des longs trajets en électrique. Je suis team full électrique, voiture recharge très rapide. Moi, je suis pauvre, donc ça marche pas. Non, en revanche, je trouve que les petites citadines full électrique, ça a du sens parce que tu vas pas faire de la route avec. Mais ce genre de voiture, ce genre de gabarit, moi, l'hybride rechargeable, je trouve que ça a tout son sens. C'est une idée parce que c'est vrai quand t'emmènes les enfants à l'école tous les jours et autres, tu roules en 100% électrique. Ouais. Et c'est pas mal. Et toi, tous les kilomètres que tu fais, parce que toi, quand on te regarde, t'es toujours dans tous les sens. Effectivement. Bah, en full électrique, je pense que t'aurais un petit peu moins de vidéos à tourner. Ah, ou tu serais pas sur tous les rendez-vous. Non, mais voilà, comme je le dis, j'adore l'électrique parce qu'au quotidien, c'est confort. Tu vois, là, on rentre 100% électrique et c'est top. C'est hyper agréable. Pourtant, là, c'est synchronisé avec la boîte parce qu'on a seulement le moteur à l'avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle existe aussi en 300 chevaux avec un moteur supplémentaire à l'arrière qui peut privilégier le moteur à l'arrière qui, lui, n'est pas couplé à une boîte. Par contre, quand on a le moteur avant, c'est couplé à la boîte et on sent un petit peu le passage de rapport. Alors, c'est très délicat, c'est très, très subtil, mais c'est différent. Le 100% électrique, il n'y a pas de rapport, c'est toujours fluide, c'est lisse et autre. Alors, on a un peu l'impression de surfer sur la route. Prends-moi ce rond-point de façon un petit peu dynamique, Clémence, parce qu'on fait toujours le test du rond-point. C'est très dynamique. Et ça crisse. Ça crisse un petit peu. Vas-y, fais crisser un petit peu les pneus. On sent un petit sous-virage. Ouais, léger. Je vais où après ? Continue plus vite, s'il te plaît. Non, mais il veut que je fasse un malaise. Donc, moi, j'ai un petit peu de maintien. Alors, c'est vrai que là, on va vite. Je commence à sortir à droite, là, s'il te plaît. Voilà. J'ai le tourné. Mais on voit que c'est pas mal. Allez, réaccélère un petit peu sans aller à fond pour pas démarrer le moteur. Ouais. Bah, là, en mode écho, je suis un peu bridé dans mon accélération. Hein. Mais franchement, on est déjà à 90. Ouais, ouais. Mais tu n'as pas d'effet taquet où tu pars d'un coup parce que. Alors là, je suis en mode. D'ailleurs, en parlant de mode. On est en mode électrique. En mode électrique, si je passe en mode sport, c'est à ce moment-là que j'aurai plus de reprises. Et là, j'accélère. Sport. Là, on sent tout de suite que tu pars d'un coup. Le mode hybride, il te bloque. Alors, un peu. Regarde, il n'y a personne derrière, arrête-toi. On va se tester une petite accélération. Donc là, on passe. Je l'ai laissé. Là, on est en mode sport, tout à fait. Donc vas-y, à fond. Alors, ça met un petit peu de temps et ensuite, ça pousse pas mal. On entend bien le changement des rapports. Voilà. Ouais, on est déjà à 100. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Franchement. Le 0 à 100 est donné à combien ? J'ai pas la valeur, désolé. Je n'ai pas tout appris par cœur. Mais c'est en pas vrai, mal. Ça pousse bien. Ça pousse bien. Après, moi qui suis un peu sensible au G, t'as pas l'effet des supercars où t'es bloqué à l'arrière. Mais on a 225 chevaux. Oui, mais du coup, c'est pas mal en fait. C'est plutôt doux, ça démarre doucement et ça accélère vite après. Donc c'est plutôt assez subtil. Tout à fait. Et donc, comme on disait, on a 42-44 km d'autonomie annoncée. 100% électrique. Alors ça se fera dans les bonnes conditions si vous faites de l'urbain ou du périurbain. En cycle combiné, Si vous faites vraiment que l'autoroute, vous allez tomber à 25-30 km grand max parce qu'autoroute ça consomme plus parce que l'électrique pas forcément. Et à l'inverse en ville, tu augmentes. Si tu as une conduite écolo, tu peux augmenter ton autonomie. Exactement. Et ça, j'avais fait pareil des tests sur la version 300 chevaux. Alors on ne fera pas peut-être un test complet. J'ai essayé cette voiture en roulant, en préservant la batterie, en gardant à 100%, j'étais à, donc là on est à 7,7 litres, on est à 100 km pile poil, et j'ai roulé quasiment tout en hybride, et donc 7,7 litres pour un bébé de 2 tonnes, c'est plutôt pas mal, et j'ai fait un petit mix. C'est carrément bien. Et donc en électrique, on arrivera aux alentours des 40 km, donc on recharge tous les jours à maison, et c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses alors finalement de cette voiture, direction, etc. Bah, moi, de toute manière, déjà Peugeot, je trouve que le ressenti de conduite, la précision, le châssis, le dynamisme, c'est toujours hyper agréable. Tu te sens ancré dans la route, c'est confortable et puis tu te sens en sécurité. En fait, tous ces petits détails, tu as l'impression que c'est parce qu'on pousse le vis à aller tester la direction, le châssis, etc. Et en fait, c'est pas du tout du détail. C'est ça qui fait que tu te sens en sécurité sur la route, que tu sens qu'elle tient bien la route. Et Peugeot, pour ça, ils sont quand même super forts. Non. Alors regarde, là, par exemple, zone 30, je vais te repasser en électrique. Ouais. Et comme ça, on est dans un village, on repasse en électrique. On passe incognito parce que personne nous entend. Effectivement. Et tu sais que si on parle vraiment tout doucement comme ça, c'est quand même très, très agréable. Et petite subtilité chez Peugeot, c'est quand on roule en électrique, le compteur, il passe en bleu. D'ailleurs, c'est assez joli. Oui, c'est vrai. Oui.
ça me fait penser à mon vernis à ongles. Tu te joues. Et en vrai, donc l'avantage, c'est que dès qu'on est en électrique, même quand on est en hybride, le compteur passe en bleu, les chiffres en bleu, et c'est comme ça qu'on peut savoir aussi si on est électrique sans avoir toujours à regarder. Et sport, est-ce que c'est rouge? C'était pas rouge. Non, c'était pas rouge. En fait, ça repasse juste en blanc dès que tu démarres le moteur. Et hybride? Et hybride, bah, si tu es en électrique, non, tu vas voir. Dès que tu repasses en électrique, ça repasse en bleu. Non, mais c'est pas mal, honnêtement. Tu aimes bien ma voiture? Non, mais moi, je suis très... En fait, pour être honnête, il y a un moment où j'étais plus très Peugeot. Mm-hmm. Parce que je trouvais qu'ils s'endormaient un peu sur leur laurier, qu'ils proposaient rien de très nouveau. Et maintenant, et dans le design, et dans la conduite, et dans le cockpit, j'ai envie de dire, je trouve ça très sympa. Ça a toujours été une conduite agréable, mais je trouve que maintenant, il y a tout l'environnement Peugeot qui devient vraiment séduisant. Bon, si on a essayé la tienne. Ouais, tu vas voir, c'est une autre philosophie. D'accord, bah allons voir ça. Ok. Bienvenue dans ta voiture. Ouais, bon, il a fait un caprice, du coup, je lui laisse le volant. Merci. Vous êtes très gentil. Donc, dans mon Tiguan PHEV. Ouais, t'es content, hein. Mais je l'ai aussi. Mais toi, tu me rabaisses, tu me changes tous mes réglages. Fallait enregistrer. Heureusement qu'il y a trois positions possibles. Ouais. Et j'ai pas enregistré. Moi, j'adore ça à chaque fois. Ça, c'est, ouais, ça, c'est ça. C'est le truc qui m'excite. Tu sais, genre, c'est. J'ai envie de démarrer. T'en fous pas beaucoup. Ça. Ouais, moi je suis content pour pas grand chose, tu vois. Ouais. Ça me va. Ça dit vision de tête haute, c'est sympa. Oui, c'est un plus. C'est un vrai plus. Alors. La marche arrière, voilà, tu fais comme ça. Je marche arriérise. Non, je suis en autre. Si. Et là, okay. T'as vu la qualité? Alors, pas la qualité, mal. Un petit peu mieux. Toi, t'as des vraies caméras 360, ouais. Par contre. Pour moi, le 3008, c'est moins joli. Mais là, pour moi, c'est pas encore joli. Tu vois, c'est des vieilles caméras et je trouve ça un petit peu dommage. De nos c'est jours, pas assez HD. C'est pas assez HD, ouais, tout à fait. Alors là, on a démarré en quel mode chez toi? Alors, tu démarres automatiquement en électrique et ça va privilégier l'électrique, quasiment en full électrique, jusqu'à 70 km/h. Okay. Tu vois, c'est un peu le même principe que sur le 3008. Alors, tu vois, moi... Donc là, on sent que c'est plus raide. C'était le côté confort, mais quand même plus raide de l'allemand. Ok. T'es d'accord? Alors, fais voir le ressenti. Ouais, effectivement. On sent plus la route. Un alors, on peut dire qu'on est plus connecté à la route, peut-être. Oui. Bah, c'est un peu... Non, mais tu vois, c'est plus raide. Ah, c'est quand nettement même assez plus direct, raide. Ouais, la direction est pas mal. Ouais, c'est assez direct. J'aime bien. Le volant est beaucoup plus grand que sur la Peugeot. 10 fois plus grand. Il n'y a pas de méplat. Enfin, si, ouais. En dessous, mais pas en haut. Ouais. C'est pas mal. J'aime bien. La direction est plus lourde aussi. Moi, j'aime bien quand la direction soit pas trop assistée. La Peugeot, on sent que c'est moi plus aussi, léger. Moi aussi, j'aime bien quand c'est un peu plus ferme, plus lourd. Ouais. Et c'est pas mal. Et sur les bouches d'égout. Comme on dit, ça reste confortable, mais c'est un confort différent en fait. Ouais, totalement différent. C'est inexplicable. Non, je suis d'accord. Oui, parce que tu as des constructeurs qui poussent le confort tellement loin que tu as l'impression d'être un peu. Ouais. De voler sur la. De rebondir sur la route. Et ça, je suis pas très fan. Une Citroën par exemple, la C5X. Je pensais à celle-là. Et d'ailleurs, voilà. Il parle de l'effet tapis volant. Donc c'est un exactement. Choix. Exactement. Franchement, j'aime bien la direction de Citroën. Très direct. Ouais. Alors là, on parlera plus de confort. Hein. On le sent un petit peu plus lourd que la 3008. Alors pourtant, au niveau poids, on doit être kiff. On est à 1800 et des bananes. Ouais. Donc pareil, c'est relativement lourd, mais c'est la même chose. Il y a le système hybride pèse 200 kg. Okay. Donc par rapport à la thermique, tu rajoutes 200 kg. Donc par rapport au gabarit plus les batteries, forcément, il y a un moment où le poids en pâtit. Effectivement. Tu vois, toi, ton écran, ça bouge un petit peu plus vite. Alors, tu vois, j'ai voulu avoir les compteurs, mais j'ai appuyé trop rapidement. C'est pas encore ultra réactif comme si c'était instantané, mais voilà. Non. On est bien sur la route. Là, on est à 75. Allez, on va se mettre à 80. Donc là, on est en électrique. On voit que le moteur thermique est éteint parce qu'on a un vrai contour, ouais. Là, ici. On arrive bien à repérer où on en est dans la consommation électrique ou thermique. Exactement. Et franchement, c'est pas mal. Je me sens bien. Donc on a un bon maintien. Ouais, on va voir dans le rond-point. Voilà, il va me maltraiter. Ouais, moi, je trouve que j'ai une conduite plus souple que toi. Oh, quoi? Non, mais le mec se fout du monde. Tu connais ce village? Ça s'appelle le Saut du Postillon. C'est étonnant comme nom. J'adore passer par ici. Et à 50, voilà, en électrique, c'est plutôt pas mal. Ouais. Là, tu peux programmer tes charges.
selon ça, les heures, ouais. Les heures creuses, etc. Tu veux qu'elle recharge de telle heure et autres. Et aujourd'hui, les heures creuses, je pense que ça va être pas mal à la mode. Hein. On repart sur nos problèmes d'électricité, etc. Tu as un moteur électrique à l'avant qui fait 116 chevaux et un moteur électrique, puisqu'on est en hybride. Quel est-il ? Ah non ! Une bâche. Ouf ! Oups. Il va crever le pneu. Ah, j'ai le tournis. Alors. Redonnez-moi le volant. Ça tient plutôt pas mal. Wow ! Ça s'ouvre un petit peu, comme on peut le voir. Stop, il y a une voiture qui arrive. Stop. Je pense que ça s'ouvre un poil plus que la Peugeot. Redonnez-moi le volant. Oui, ça s'ouvre plus. Mais t'y allais plus fort aussi. C'est possible. Mais on garde quand même un bon châssis. Et sur le changement de direction, on sent que la direction est assez vive. Et là, pourtant, je suis en mode e-mode. Et tu m'as dit qu'il y avait un mode GTE. Alors, il y a un mode GTE. Qui booste tout ça. En fait, tu as plusieurs choses. Tu as mode éco, confort, normal, sport, individuel. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Donc, tu as ton mode sport qui, déjà, évidemment, est plus dynamique. Okay. Et le mode GTE, ça te donne un boost électrique supplémentaire. Ok. Le 0 à 100, c'est 7 secondes 2. Donc, c'est pas mal pour le gabarit du Tiguan. Ok. Donc là, on est en mode sport. Ça patine, ça patine un peu. Alors, toi, c'est plus brutal au départ. Il y a plus de puissance. Et on est à 100. Et 100. Hop. Donc c'est 7 secondes 2, mais au ressenti, ça part plus fort. Exactement, j'aime bien. Enfin, en mode sport, celle-ci se veut un petit peu plus sportive. Oui. Pourtant, elle est, je trouve que dans la conduite, si on enlève le 0 à 100, si on exclut ça, je la trouve plutôt moins dynamique que le 3008. C'est vrai. Alors là, on va dire qu'on a plus une sensation d'accélération, alors que l'autre, on a plus l'impression d'un châssis un peu exactement. Plus sportif. Exactement, voilà, oui. Mais à la fois plus confortable dans certaines conditions. Ouais, ouais. Et on n'a pas de suspension pilotée en plus. Alors que celui-ci, on peut avoir des suspensions pilotées. Tout à fait. Donc c'est vraiment deux philosophies différentes. C'est difficile de te dire laquelle est la plus pertinente par rapport à telle ou telle utilisation. Parce que en fait, elles sont presque complémentaires. Ouais. À la fin de cette vidéo, on fera un choix quand même. Ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être facile parce qu'elles n'ont pas les mêmes arguments. On va parler un peu moteur. Il y a deux moteurs puisqu'on est en hybride. Il y a un moteur électrique. 216 chevaux et un moteur thermique 250 chevaux. Enfin, 250 chevaux. La langue française est des fois ouais. un petit peu mal foutue. Donc 116 et 150 chevaux, ce qui font au total les 245 chevaux qu'on. Mais dis-moi, Jamy, si j'additionne. Ça fait pas tout à fait ça. Parce qu'évidemment, le moteur électrique, c'est un équivalent en chevaux. En fait, c'est en kilowatts. Ok, mais en vrai, on peut pas additionner des chevaux c'est plus pas des tout chevaux. À fait, ouais. Ça marche pas comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on s'arrête comme ça et qu'il n'y a plus de bruit. Qu'on se tait, quoi. Oui. Surtout toi. Je t'ai déjà saoulé. Ça va pas bien. Non, ça va, je te garde encore un petit peu. Mais pour moi, les gens qui achètent des PHEV, c'est des gens qui veulent un peu plus de confort aussi. Ah bah oui. Parce que, clairement, les en gros 10 000 euros d'écart entre une hybride simple et les PHEV, avant de mettre 10 000 euros d'essence, vous aurez de quoi utiliser votre voiture. C'est surtout pour ce confort. Ouais. Regarde, l'agrément de conduite. Là, en fait, ce qu'on a là, c'est partir dans le calme et pouvoir rouler. Alors, ceux-là, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus d'autonomie. Peut-être que dans les années à venir, on ira et s'approchera peut-être des 100 km avec les PHEV. Il y a certains modèles haut de gamme. Là, par contre, on double le prix quasiment de ces modèles. On peut rouler quasiment jusqu'à 100 km en électrique maintenant. Mais ce que je dis à tout le monde, c'est en fait, c'est surtout ce confort qu'on achète. Distance, et là, pareil, donc on a la conduite de niveau 2. On peut se mettre, c'est le Travel Assist ici chez Volkswagen. C'est pareil, on l'a également sur la 3008. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mmh. Et sur l'autoroute, c'est un vrai plus. Et on a la fonction embouteillage sur les deux voitures. Stop and go qui te permet de t'arrêter et de redémarrer en fonction c'est des voitures. En suivant la voiture de devant. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un plus. Les aides à conduite, moi, j'adore personnellement. Je sais pas toi. Moi, perso, je conduis qu'avec ça quasiment. En fait, ça dépend. Je trouve que ça dépend de dans quel état tu es. En fait, quand je suis fatiguée et que je fais beaucoup de route, je trouve que les aides à la conduite sont sympas parce que c'est une sécurité supplémentaire. Quand j'ai vraiment envie de m'amuser au volant, ça me saoule. Par exemple, tu vois, je me suis mis mon travel assist. Et là, maintenant, tu peux me raconter ta vie, Clémence. Et donc là, je suis en full stress. Moi, j'ai totalement confiance parce qu'il y a des lignes de chaque côté. Et tu vois que la voiture se débrouille très, très bien. Elle et alors, il va se faire rappeler à l'ordre, voilà. Voilà, et je touche un petit peu de temps en temps. C'est-à-dire qu'en Europe, je crois que c'est pas plus de 7 secondes sans toucher le volant. Alors, va-t-elle bien prendre le virage? Le
mec est en train de jouer avec ma vie. Heureusement que j'ai confiance et que je connais cette technologie. Nous sommes des professionnels. Et là, quand on ne touche pas, alors elle bip. Alors, certaines voitures du groupe font d'autres choses. Là, vous avez vu, elle m'a tiré la ceinture. Ok, c'est toi qui as donné le coup de frein là qu'on a fait. Rien. Elle a bip, bip. Et elle arrête. Et ben, alors, ça, elle n'a pas voulu s'arrêter. Elle a arrêté de te contrôler, oui, c'est-à-dire que là, on aurait pu se prendre le mur. Exactement, alors que certaines s'arrêtent vraiment et viennent mettre les warnings. Celle-là, elle ne l'a pas fait. Bon, bon, bon. Alors débrief. Laquelle tu préfères? C'est dur. Alors, autant par moment, c'est facile de choisir, autant là, en vrai, c'est compliqué. Carrément. J'ai beaucoup d'affection, comme je te disais tout à l'heure, pour Peugeot, parce que je trouve qu'il y a un renouveau qui est vraiment sympa. Mais le Tiguan, j'aime bien son côté. Alors déjà, j'adore son look. J'aime bien sa direction. J'aime bien son côté confort ferme. Il y a des rangements, il est pratique. Du coup, je suis vraiment... Ces deux voitures que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'aime bien aussi le 3008. Parce que son petit côté est vif. Ouais. Et avec cette sensation de légèreté. Et j'aime bien aussi le Tiguan parce que on sent qu'on est sur une voiture un petit peu plus premium, parce que Volkswagen, ça a toujours été un petit peu plus. Mais c'est vrai que là, Peugeot, ils sont quand même bien, bien rattrapés ces derniers temps. Ils ont... Alors, s'il faut trancher sur un truc... Sinon, on va faire partie par partie, design. Okay. Design, hormis la face avant, moi, c'est le Tiguan. Extérieur, je dis Tiguan aussi. Intérieur. L'habitacle, je suis plutôt Peugeot. Je trouve plus pratique. Non, même pas. Ah, c'est difficile. C'est dur, hein. Non, mais disons que je trouve ça un peu sobre chez Volkswagen. Donc, tu vois. Donc, allez, je reste chez Peugeot. J'avoue que j'ai bien aimé la sensation de plus d'espace en fait dans le Tiguan. Mmh. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait des petits bouts colorés et des sièges un peu plus travaillés sur le 3008. On a le droit de mettre un match nul ou pas? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord parce qu'il y a plus de place. Moi, en famille, ça c'est plus pratique. C'est vrai. Ok, on va dire match nul. Match nul, match nul là-dessus. Niveau moteur, qu'est-ce que tu as ressenti Alors, c'est pareil. On a vu l'accélération est meilleure sur le Tiguan, mais la conduite est plus dynamique chez Peugeot. C'est ce qui me ferait pencher. Moteur, si on dit moteur. Moteur. Allez, je vais. Arrête, c'est trop dur. C'est un métier pas facile qu'on fait. Bah après, on est là pour vous donner aussi quelques petites pistes, mais ouais, c'est subjectif en c'est plus. C'est très subjectif. Allez, je vais sur le Tiguan. Tiguan. J'ai bien aimé le passage de rapport sur le Tiguan aussi. C'est peut-être un petit peu plus soft. Châssis. Peugeot. Là, on est d'accord. Peugeot. Bon, niveau budget. Ouais, le 3008 est un peu moins cher. Effectivement. Sinon, après, niveau des garanties, on est à peu près sur les mêmes choses et autres. Donc, on va dire que c'est vraiment deux voitures qui se valent un petit peu, mais on a juste un côté un poil plus premium de ce côté-là. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce sera surtout une question de look pour les gens. Ouais, c'est clair, ça sera une histoire de look et un peu de prix. Oui. Après, les deux fonctionnent vraiment très bien. Moi, c'est vraiment deux voitures, sincèrement, que j'aime beaucoup. En tant que mère de famille, je m'y retrouve et je me projette. Et je trouve que c'est deux voitures qui sont bien pensées et qui sont agréables, aussi bien en ville que sur route. Et après, je pense que c'est kiff-kiff parce qu'au niveau des batteries, on a vu les autonomies, c'était à peu près pareil. On est aux alentours de 40-45 km sur les deux. Je pense que niveau motorisation et technologie, c'est kiff-kiff. C'est fait différemment, mais on a à peu près la même chose. Donc, le choix est très difficile. Donc, on vous laisse décider. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pouvez... Dites-nous laquelle vous auriez choisi. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire pour le prochain essai, le prochain comparatif, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Donc, ça, dans les commentaires. On va vraiment s'inspirer des commentaires pour voir les voitures qui plaisent et les comparatifs. Parce que nous, on est chaud pour essayer un peu tout. Ouais. On veut faire ce que vous nous demandez. Une Dacia vs une Clio, par exemple, qui peut être aussi intéressant des fois, parce que c'est un petit peu les mêmes marques et autres. Par exemple, un Tucson et un Sportage, qui sont un peu des cousins. Ça, c'est pas mal, ça me parle. C'est pourquoi pas. Pour une prochaine vidéo. Ouais, pourquoi pas, ça c'est pas mal. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu comme ça, parce que ça nous aide aussi, des commentaires, et à partager. Oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Dis-leur qui partage, s'il te plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Merci. Si Clémence vous le demande, je pense qu'on n'a pas le choix. Non, pas le choix. Aucun choix. Merci en tout cas pour cet essai. Merci beaucoup, c'était cool. C'était trop bien. À bientôt. Du coup, je repars quand même avec mon Tiguan, malgré tout. Oui, Peugeot m'a demandé de le ramener. Donc, c'est pas le tien. Ce serait marrant qu'on ramène ces deux au parc et presse, chacun une voiture différente. Pour les embrouilles. Ouais. C'est genre, mais pourquoi tu nous ramènes ça? Ah, bon. Non, mais à c'était bientôt. Trop bien. Et donc, on refait c'est ça cool. Très vite. Très vite. Ouais. Bon. Bye bye. Bisous.